La rivière des Prairies, ça a été une ressource et aussi un obstacle à franchir. Il y a un métier qui a été pratiqué sur la rivière au 19e siècle, c'est les cageux, les voyageurs de bois. Je vous rappelle qu'au 19e siècle, bien des gens qui étaient agriculteurs partaient dans l'Outaouais, devenaient bûcherons durant l'hiver et revenaient seulement au printemps dans leur famille. Alors, ils coupaient le bois dans les camps de bûcherons et ensuite, ils travaillaient comme draveurs ou sinon comme cageux, les hommes qui travaillaient dans les cages. C'était le bois qu'ils avaient coupé. On l'équarrissait, on faisait un assemblage de tout ce bois-là pour faire un radeau qui s'en allait jusqu'à Québec. On démantelait la cage, bref, la marchandise, et on l'expédiait en Angleterre, car c'est un bois destiné au marché anglais, car depuis le début du 19e, l'empereur français Napoléon avait empêché, par un blocus, les Anglais de s'approvisionner en bois en Europe du Nord. Les Anglais vont se retourner devant leur nouvelle colonie qu'ils ont depuis la conquête, le Canada, l'ancienne Nouvelle-France, et on va envoyer un général qui s'appelle Baye, qui va aller fonder une ville qu'on va appeler Baytown, qui est devenue Ottawa. Et tout autour de Baytown, ça va être des camps de bûcherons. C'est un voyage qui durait à peu près un mois. Sur les cages, on faisait souvent des habitations pour pouvoir se loger. Même certaines cages qui étaient plus pieuses que d'autres, on avait un endroit pour une chapelle, un autre pour une petite cuisine, une couquerie, comme on disait à l'époque. Et c'était un métier qui était pratiqué jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'au moment où le chemin de fer va pouvoir faire ce travail-là d'une manière plus efficace et plus simple. Mais néanmoins, c'était fréquent, sous la rivière des Prairies, de voir au loin des cages de bois. Une cage était grande comme un terrain de football à peu près. Parfois, il y en avait plusieurs attachées les unes après les autres. Fait qu'on pouvait voir à perte de vue des cages sur la rivière des Prairies. Les gens qui pratiquaient ce métier, souvent quand ils venaient dans la région, vous savez, on a une centrale hydroélectrique qui date de 1930. Avant sa construction, il y avait plusieurs rapides dans la rivière. Alors, les cages, quand elles passaient, bien, on se faisait brasser la cage. C'est à ce moment-là que les cageux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils débarquaient des cages. Ils allaient souvent dans les auberges qui étaient pas loin des deux rives, du côté montréalais et Lavalois. Et ces cages-là, quand ils allaient dans les rapides, bien, souvent, ça brassait. Alors, les cageux, lui, ils laissaient aller les cages à vide et allaient prendre un petit verre à l'auberge. Il y avait donc des industries secondaires à cette activité-là. C'était des gens qui avaient quand même mauvaise réputation. C'est des gens qui avaient passé un hiver sans alcool, car pas d'alcool dans les camps de bûcherons, et pas de femmes non plus. Alors, il était reconnu que les aubergistes les attendaient de pied ferme le long de la rivière des Prairies, avec les barils bien remplis et les plus jolies filles du village à ces endroits-là. Alors, on croit que plusieurs cageux sont disparus dans des auberges, car c'est à ce moment-là, quand ils débarquaient des cages, qu'ils touchaient leur paye. Alors, toute la paye de l'hiver, ils l'encaissaient, puis souvent, bien, ils arrêtaient à l'auberge et il y avait des dangers. D'ailleurs, à Laval, de l'autre côté, le boulevard Lévesque, on l'avait surnommé le rang des batailleurs à cause des cageux qui avaient pris un verre de trop. Alors, c'est un métier qui a marqué l'imaginaire du Québec. Quand ils buvaient, il y avait des écarts de langage. Au collège Sophie Barra, les dames du Sacré-Cœur, n'aimaient guère ce vocabulaire. Une religieuse est descendue sur le bord de l'eau pour les chicaner, pour arrêter de jurer et de blasphémer. Et les cageux, selon les sœurs, les dames du Sacré-Cœur, les cageux qui se sont munis d'objets religieux que les sœurs avaient donnés aux cageux, auraient eu dans la rivière beaucoup moins d'accidents que ceux qui n'en ont pas pris, selon les dames du Sacré-Cœur. Alors, l'épopée des cageux.